Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Inandon Blandine, épouse sanguine, enseignante de didactique de français. Je suis également votre tutrice dans le cadre de cette même discipline qui s'adresse aux élèves maîtres et maîtresses du niveau baccalauréat. Comme pour toutes les séances, nous allons commencer par la correction du devoir de la dernière séance. Alors, je vais lire le devoir pour vous. Votre camarade de classe, absent au cours portant sur l'enseignement de l'orthographe, l'a copié. Mais il ne comprend pas certaines parties de ce cours et vous demande de l'aide. Afin de lui venir en aide, vous devez présenter les caractéristiques d'un texte support à utiliser comme matériel didactique pour dispenser une leçon d'orthographe. Vous devez également comparer les étapes suivantes, consolidation et évaluation. Voici donc les solutions que nous proposons. À propos des caractéristiques du texte support, nous avons dit que le texte support doit comporter toutes les nuances de la notion à étudier afin de permettre à l'élève de mieux l'assimiler. Le texte support doit également être en rapport avec le centre d'intérêt et le sous-centre d'intérêt de la semaine. Également, dans le texte support, la notion à étudier doit être mise en évidence. Nous devons par exemple souligner le mot que nous allons exploiter ou alors l'écrit en trait de couleur pour attirer l'attention de l'élève. La comparaison entre les deux étapes, consolidation et évaluation. Nous allons, pour faire cette comparaison, présenter les ressemblances et également les différences. Comme trait de ressemblance, nous savons que à l'étape consolidation, tout comme à l'étape évaluation, nous allons proposer des exercices aux élèves. Mais c'est l'objectif visé par ces exercices qui va faire la différence entre les deux étapes. À la consolidation, qu'est-ce que l'enseignant vide comme objectif? C'est de renforcer les acquis. Donc, à la consolidation, on va donner un exercice d'application à l'élève pour lui permettre de retenir davantage la notion acquise. Par contre, à l'évaluation, qu'est-ce que l'enseignant va viser? Il va viser la vérification du niveau d'atteinte de l'objectif pédagogique opérationnel. C'est donc au niveau des objectifs visés que nous allons relever la différence entre l'étape consolidation et l'étape évaluation. Ceci dit donc, nous passons à la leçon d'aujourd'hui qui porte sur l'enseignement de l'orthographe, deuxième partie. Voici donc le plan de notre leçon. Objectif, prérequis, situation, problème, activité d'apprentissage, exercice d'application et enfin, devoir. Quel est donc l'objectif de cette leçon? Cette leçon va vous permettre d'appliquer les principes et exigences méthodologiques dans la préparation et la conduite des leçons d'orthographe. Et quels sont les prérequis nécessaires? Comme prérequis, vous devez être capable d'énumérer les étapes du canevas de déroulement d'une leçon
d'orthographe. Quelles sont donc ces étapes? Nous savons que pour enseigner l'orthographe, nous devons commencer par la révision. Ensuite, découverte, analyse, synthèse, consolidation, évaluation, pour terminer avec l'étape prolongement. Voici la situation que je vous propose pour pouvoir mener les activités d'apprentissage. Vous êtes en service dans une école primaire de la place. À l'occasion d'une journée pédagogique, votre collègue Mamadou est désigné pour présenter la leçon d'orthographe au cours moyen 2 portant sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Ayant des difficultés à préparer cette leçon, il se rapproche de vous pour avoir de l'aide. À cet effet, vous devez l'aider à présenter la structure d'une fiche de préparation de leçon d'orthographe et élaborer la fiche de préparation de cette leçon. Nous allons donc commencer les activités d'apprentissage par la présentation de la structure d'une fiche de préparation de leçon d'orthographe. Nous savons que, comme toutes les fiches de préparation d'ailleurs, la fiche de préparation de l'orthographe doit comporter deux parties, l'entête et la progression. Quels sont les éléments que nous devons retrouver au niveau de l'entête? La compétence à faire développer, l'unité d'apprentissage, le centre d'intérêt, le sous-centre d'intérêt de la semaine, la discipline, la sous-discipline, le titre de la leçon, l'OPR, c'est-à-dire l'outil pédagogique et référence, et l'objectif pédagogique opérationnel, en abrégé OPO. Et du côté droit, le niveau, le cours, l'effectif de la classe et la durée de la leçon. Au niveau de la progression, nous allons présenter la progression dans un tableau avec les éléments suivants. Étape, objectif pédagogique intermédiaire, que nous allons abréger OPI, activité d'apprentissage, en abrégé AE, activité d'enseignement AE, activité d'apprentissage AA, mode de regroupement MR, matériel MAT, stratégie et technique d'enseignement STE. La progression de la leçon d'orthographe. Nous allons donc présenter cette progression en commençant par l'étape révision. À la révision, on aura comme OPI rappeler les prérequis. Ici, au niveau des activités d'enseignement, nous allons proposer un exercice permettant à l'élève de rappeler les prérequis en rapport avec la notion à enseigner. Nous avons dit que la révision doit être fonctionnelle. L'élève va donc rappeler ses prérequis. Le mode de regroupement sera individuel parce que chaque élève va travailler sur son ardoise. On aura donc ardoise et trait comme matériel et les stratégies d'enseignement, le questionnement. À la découverte, nous allons commencer par présenter le texte support en mettant en exergue la notion à étudier. Pendant ce temps, l'élève va lire silencieusement le texte. Ensuite, l'enseignant va faire lire à haute voix et il va ensuite poser éventuellement quelques questions de compréhension que l'élève va répondre. Ensuite, l'enseignant va faire ressortir la notion à enseigner à travers aussi quelques questions et on va terminer par la communication de l'OPO. À l'analyse, l'objectif pédagogique intermédiaire sera émettre, présenter, justifier et valider les hypothèses sur la notion à étudier. Activité d'enseignement, à travers les questions et les activités collectives, l'enseignant va faire émettre, présenter et justifier les hypothèses de réponse sur la notion à étudier. Le mode de regroupement sera groupe classe. On va utiliser comme matériel le texte support ou alors les phrases ou les étiquettes, si c'est cela qui a été choisi comme matériel didactique. Et le stratégie d'enseignement, questionnement et manipulation.
On va par la suite faire valider les bonnes hypothèses sur la règle à retenir et rejeter les mauvaises. Et on va passer à l'étape synthèse qui a pour objectif formuler le résumé, c'est-à-dire la règle à retenir. Activité d'enseignement, l'enseignant va poser des questions de synthèse, ce qui va amener l'élève à formuler la règle à retenir, ensuite consigner cette règle dans son cahier. Et à l'étape consolidation, on va appliquer la règle afin de la consolider. Ça, c'est l'objectif pédagogique intermédiaire. Activité d'enseignement, on va proposer des exercices d'application afin de renforcer la nouvelle notion. Ici, on aura comme mode de regroupement individuel parce que chaque élève va travailler individuellement. Et à l'évaluation, l'objectif sera démontrer l'acquisition de la règle, c'est-à-dire le niveau d'atteinte de l'OPO. L'enseignant va proposer un exercice d'évaluation que l'élève va traiter. On aura donc comme matériel exercice varié. Et enfin, à l'étape prolongement, l'objectif sera utiliser la notion acquise pour résoudre des situations complexes de vie courante. L'enseignant va donc proposer des exercices où, à partir d'une situation problème de vie courante, afin d'amener l'élève à utiliser la nouvelle notion acquise pour résoudre le problème qui est posé. On aura donc comme matériel situation de vie courante. Et on peut varier le mode de regroupement qui peut être individuel ou collectif en fonction du choix de l'enseignant. Passons donc à un exemple de fiche de préparation de leçon d'orthographe. Et commençons par l'entête de cette fiche de préparation. Là, les éléments d'abord de la leçon. La leçon sera au coût moyen de centre d'intérêt, les métiers, savoir, accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, savoir-faire, écrit correctement le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Commençons par l'entête de la fiche de préparation. La compétence à faire développer est orthographier correctement les mots lors de la rédaction d'un texte. L'unité d'apprentissage, c'est le numéro 4. Le centre d'intérêt, les métiers. Le sous-centre d'intérêt, les professionnels. Discipline, français et littérature. Sous-discipline, orthographe. Titre de la leçon, l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire, être. Nous sommes au niveau 3, coût moyen 2, l'effectif de la classe 45, durée de la leçon, 30 minutes. OPR, nous aurons d'abord un texte que nous allons utiliser comme texte support et comme un document que nous avons utilisé pour préparer la leçon, nous avons d'abord le curriculum, ensuite le manuel au programme, au coût moyen 2. Il s'agit ici des majors en français à la page 90. Voici l'objectif pédagogique opérationnel. À partir d'un exercice portant sur l'accord du participe passé, au terme de la leçon, l'élève sera capable d'accorder, c'est-à-dire écrit correctement, tous les participes passés employés avec l'auxiliaire être. Passons à la progression. Première étape, révision. OPI, construit une phrase avec un verbe au passé composé. Afin d'effectuer une révision fonctionnelle, le fait déjà de conjuguer le verbe au passé composé va permettre à l'élève d'utiliser déjà l'auxiliaire et le participe passé, ce qui va nous conduire à aborder notre leçon. Le mode de regroupement sera individuel et l'élève va construire la phrase sur son ardoise en utilisant la craie, bien sûr. À la découverte, l'enseignant va présenter le texte support au tableau. Voici donc le texte support. Des policiers sont partis à la recherche des délinquants. La délinquance est punie par la loi. Je relis le texte. Des policiers sont partis à la recherche des délinquants. La délinquance est punie par la loi.
Pendant que l'enseignant porte le texte au tableau, les élèves lisent silencieusement. Ensuite, il fait lire le texte à haute voix et lui-même, il effectue une lecture magistrale. Le mode de regroupement sera ici groupe classe et le matériel, c'est le texte. On va utiliser comme stratégie et technique d'enseignement le questionnement. L'enseignant va par la suite poser d'abord des questions de compréhension du texte. On aura comme première question, des policiers sont partis à la recherche de qui? Et l'élève va répondre s'il a compris le texte en disant qu'ils sont partis à la recherche des délinquants. Ensuite, pour se rassurer que les élèves comprennent le mot délinquant, l'enseignant va demander qu'est-ce qu'un délinquant? Les élèves vont répondre, c'est celui qui a commis un délit. Celui qui ne respecte pas la loi. Il peut encore poser une troisième question de compréhension. Ensuite, il va poser des questions de découverte. La première question sera, que remarques-tu sur le texte? L'élève va répondre que les mots sont soulignés. Deuxième question, quelle est la nature de ces mots soulignés? Ce sont des participes passés. Quel est l'auxiliaire de ces participes passés? Je reprends, avec quel auxiliaire ces participes passés sont employés? L'élève va répondre que ces participes passés sont employés avec l'auxiliaire être. Et on va terminer la découverte en communiquant locaux. À l'analyse, l'enseignant va poser des questions d'analyse pour amener l'élève à découvrir la notion à enseigner. Ici, l'enseignant va demander de rappeler le participe passé employé avec l'auxiliaire être de la première phrase. L'élève va rappeler. Ensuite, il va poser des questions. Quelle est la terminaison de ce participe passé? L'élève va répondre en disant S. Quel est le sujet? Quel est son sujet? L'élève va répondre des policiers. Quel est le genre et le nombre de ce sujet? L'élève va répondre masculin, pluriel. Quelle remarque fais-tu par rapport au participe passé et son sujet? L'élève va donc ressortir la notion du jour en remarquant que le participe passé est au masculin, pluriel, tout comme le sujet. Et cela va amener l'élève, l'enseignant à poser une autre question. Quel est le participe passé employé avec l'auxiliaire être de la deuxième phrase? L'élève va répondre et on va faire les mêmes observations pour aboutir à une conclusion. Et l'enseignant va donc poser la question, quelle conclusion peux-tu donc tirer par rapport à l'apport du participe passé employé avec l'auxiliaire être? Et l'élève va remarquer que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Et ensuite, l'enseignant va demander de remplacer le sujet de la première phrase qui est des policiers par des gendarmes et d'accorder le participe passé. L'élève va donc remplacer et la phrase va devenir des gendarmes sont partis. Parti va s'accorder avec au mieux S à la fin parce que gendarmes est au féminin pluriel à la recherche des délinquants. À la synthèse, donc, on va formuler la règle à retenir. L'enseignant va poser les questions de synthèse. L'élève va formuler la règle à retenir. Et l'enseignant va faire consigner le résumé dans le cahier. On va passer à l'étape consolidation où l'enseignant va proposer un exercice d'application. La consigne est écris correctement le participe passé des verbes à l'infinitif. On a comme dans la première phrase, le portable est réparé, qui a l'infinitif et entre parenthèses, par le technicien. Et l'élève va accorder en écrivant réparé avec un accent aigu simplement parce que le sujet portable est au masculin singulier. Ils vont donc également accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire être dans les autres phrases. Et on va passer à l'évaluation où l'enseignant va proposer un autre exercice, un exercice d'évaluation cette fois-ci. Voici la consigne.
Accorde correctement les participes passés des verbes entre parenthèses. Première phrase, l'armoire a été rangée à l'infinitif par ma mère. L'élève va donc accorder en réécrivant la phrase, l'armoire a été rangée avec accent aigu au muet par ma mère. Et il va traiter les autres phrases en accordant correctement le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et on va passer au prolongement où l'enseignant doit proposer une situation problème de vie courante à l'élève. Situation qui va permettre à l'élève d'utiliser la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être pour résoudre une situation problème de vie courante. Voici donc la situation. Tu dis à ton ami que tu voudrais devenir photographe professionnel et ce dernier voudrait en savoir plus sur ce métier. Pendant que l'enseignant propose la situation problème, l'élève écoute attentivement. Ensuite, il donne la consigne de travail. Pour lui parler des réalisations du photographe, construis deux phrases avec le participe passé employé avec l'auxiliaire être. L'élève va donc construire deux phrases en utilisant bien sûr le participe passé employé avec l'auxiliaire être et accorder correctement ce participe passé. L'élève pourrait proposer comme première phrase, cette photo est bien cadrée par le photographe et en accordant bien sûr correctement le participe passé. En résumé donc, nous devons retenir que la fiche de préparation d'une leçon d'orthographe comporte deux parties, l'entête et la progression. Nous connaissons déjà les éléments de l'entête et nous savons également que nous devons présenter la progression sous forme tabulaire avec les éléments que vous maîtrisez déjà aussi par cœur. Et pour élaborer une fiche de préparation de leçon d'orthographe, vous devez élaborer d'abord premièrement tous les éléments de l'entête de la fiche de préparation en tenant compte du titre de la leçon. Et vous devez également présenter la progression dans un tableau avec les éléments suivants, étape, OPI, activité d'enseignement, activité d'apprentissage, mode de regroupement, matériel, stratégie et technique d'enseignement. Voici donc un exercice d'application que je vous propose pour mettre en application ce que nous venons d'apprendre. Je vais lire l'exercice pour vous. Vous êtes en service à l'école primaire de Mendon. Votre collègue titulaire du cours élémentaire 1, ayant quelques lacunes, sollicite votre expertise pour préparer la leçon d'orthographe portant sur les homonymes grammaticaux A, A, on, on. Il a donc des difficultés pour préparer cette leçon qui porte sur les homonymes grammaticaux. À cet effet, vous devez l'aider à élaborer l'OPO, élaborer une fiche de préparation partielle de cette leçon comportant uniquement l'étape évaluation. Voici donc l'OPO que nous proposons. Étant donné un exercice portant sur les homonymes grammaticaux, à la fin de la leçon, l'élève sera capable d'écrire sans erreur les homonymes grammaticaux A, A, on, on. Nous avons ici notre OPO qui comporte toutes les parties. Et la condition de réalisation qui est ici, un exercice portant sur les homonymes grammaticaux. Le comportement attendu qui est écrit les homonymes grammaticaux A, A, on, on. Et nous aurons comme critère, ici, un critère qualitatif, j'y arrive, qui est sans erreur. Ensuite, nous proposons la préparation de l'étape évaluation. Nous aurons donc comme OPI écrit sans erreur les homonymes grammaticaux A, A, on, on. OPI qui est bien sûr
en congruence avec l'objectif pédagogique ou opérationnel. Activité d'enseignement. Donne un exercice d'évaluation. Exercice. Recopie et complète avec A sans accent, A avec accent grave, ON, O-N-T ou ON, O-N. L'enseignant va donc proposer des phrases. Le gendarme, ici il s'agit d'un exercice à complément de phrase. Le gendarme, point, 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 une belle moto. L'élève va donc traiter l'exercice en complétant les pointillés par le mot qu'il aura choisi parmi les homonymes grammaticaux. Et la bonne réponse, c'est donc « Le gendarme a une belle moto. » Et il y a aussi d'autres phrases que l'enseignant va proposer. Les militaires, point, 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 des uniformes. Les militaires ont des uniformes. Point, 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 est content d'être fonctionnaire. On est content d'être fonctionnaire. On avec ON. L'élève va donc traiter l'exercice d'évaluation. Bien, voici un devoir que je vous propose à faire à la maison. Vous allez donc le noter et nous allons le corriger à la prochaine leçon. Je vais lire le devoir pour vous. Afin de préparer une simulation de leçon, votre professeur vous demande de préparer la leçon d'orthographe au cours élémentaire 1 portant sur les valeurs des lettres avec le savoir-faire à construire, appliquer les règles relatives à la valeur des lettres en fonction des voyelles placées à proximité. On a donc C, C, c'est dit, C et UU. À cet effet, vous devez élaborer l'en-tête de la fiche de préparation, élaborer la préparation de l'étape synthèse par rapport à cette leçon. Donc, vous devez, je rappelle la consigne, élaborer l'en-tête de la fiche de préparation et ensuite élaborer la préparation de l'étape synthèse. Pour préparer cette leçon, nous sommes inspirés de plusieurs documents. Nous avons consulté les programmes des INEJ, les curricula de l'enseignement primaire. Le document ici, c'est le manuel au programme cours élémentaire 1, également le manuel au programme au cours moyen 2. Ainsi donc, se termine notre leçon. La prochaine leçon portera sur le dernier thème de notre programme qui est le thème 5 et qui porte sur l'évaluation des apprentissages des sous-disciplines du français à l'école primaire. On a tege si ma tege yop, on a tege minga ma tege nyom, on a tege ma jang ma tege ndom, mane tambia ninya ne injo biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esu kina bia jinkido, mane tambia ninya ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia ninya ne injo biayen